Salut les enfants! Merci de Bonjour bien à accorder. tous. Ça va, Salut. Loulou? Notre invité Merci. exceptionnel aujourd'hui. Je dis exceptionnel parce que c'est qu'on arrive à l'avoir comme ça, techniquement. Je reconnais que c'est un grand monsieur. Monsieur Tonini Vincenzo est parmi nous. Bonjour, monsieur Merci. Tonini Salut Vincenzo. Jacques. Salut tout le monde. Belles lunettes aussi, vous avez des belles lunettes. Bon, alors voilà. Bon, bah, écoutez, vous avez écouté le nouveau générique? Vous l'avez entendu, ce nouveau Non, générique? eh ben non, Non. justement, on va en profiter pour Alors, on le découvrir tout de passe. suite. On le passe maintenant. Alors dites-moi, avant de le passer, dites-moi Attends, qui c'est attends, j'explique. Pendant voilà, qui 30 c'est ans, qui j'ai a eu cette émission. écrit? Attends une minute, Tony. JD, s'il te plaît. Oui. J'ai eu un générique depuis 30 ans que je fais de la radio. C'était toujours le même. C'était une composition qui Chablan-Bénil. s'appelait Saguenay Chablan-Ménil. Oui. Mais cette semaine, mon ami Tony m'a envoyé un morceau extraordinaire. Et j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, voilà, parce que. Il y a un bureau directeur, mais en fait, c'est Yac moi et puis JD. Donc, on a décidé que ce générique allait changer. Et pour les 30 prochaines années, enfin, peut-être un peu moins, peut-être un peu moins, nous allons diffuser ce générique que vous reconnaîtrez maintenant et qu'on va vous passer dans son intégralité. C'est composé par Monsieur Tony DiVincenzo et Monsieur Loulou Torres. Ah Et c'est bien! interprété. Eh oui, et c'est interprété par Monsieur Tony DiVincenzo lui-même. Merci Tony de me faire ce cadeau. Et Merci on à toi. écoute. On écoute. Alors, ça s'appelle la gadji. Et la gadji, c'est quoi la gadji? Bah, en ce moment, vu que c'est Ouais. la période, je pense que c'est un peu à cause de ça. Toi, on n'aurait pas pu Voilà. appeler ça le Covid-19, on appelait ça la gadji. Ah, bah d'accord, ok. Ah, bah, d'accord, ok. Bon, ben bah, d'accord, Bon, ok. Très bah bien. Eh voilà. ben, on Bon, bah écoute le alors. nouveau générique d'accordéon Donc. passion. Thank you.
Tony, je vais te chanter quelque chose parce que j'ai pas eu le temps de sortir l'accordéon. Ouais. Écoute-moi, si t'écoutes, si je te chante ça, tu vas me dire à quoi tu penses. Da 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 da. Oh, oh petit très voilà. Bien. Tu connais ça? Tu connais ouais. Ça? Alors regarde oui. Bien, regarde bien la surprise qui arrive. Regarde bien la surprise. Un peu, je pense. Allons-y. Alors hop là, surprise. Voilà. Je hop l'accueille. Là, il va apparaître. Ouais, il va apparaître. Voilà, il va apparaître. Ouais. Il va apparaître. Et le voilà. Et le voilà. Oh Philippe. Oh bah allez, là, allez donc, quel plaisir. Oh, il a des oula. Lunettes, il a des belles lunettes. T'as des belles lunettes, Philippe. Ça, ton écran qui reflète dans le. On est Elton John. Ça va? Tu nous entends? Oui, ça y est. Ouais. Salut. Ouais. Voilà. Allez, ah, on a réussi. Ah ben, je suis content de vous réunir tous les deux parce que pour ah bah la ouais, petite histoire, moi aussi, vous avez un super cadeau là. Philippe a été, Philippe a été le grand artisan du succès du petit Robinson avec qui on a des histoires pendant plus de 10 ans, je crois. Quant à toi, Tony, t'en as encore plus que moi. Moi, j'ai ouais. Que des bons souvenirs, même au niveau de la, du repas, tu vois. Tout, oui, c'est vrai. Ben mais oui. Voilà, ben, je suis content de vous rassembler tous les deux. Ben oui, merci, parce que ça fait vraiment longtemps. Ben oui. Longtemps que j'ai eu l'occasion de parler avec Tony. Ah oui, ça fait vraiment plaisir, moi aussi. Hein. Bon, vous reconnaissez, non? Ben oui, oui. Enfin, moi je le reconnais. Ouais. On a un peu moins de cheveux, mais je pense que c'est le problème. Ouais. Philippe, il faut dire que Philippe, oui. Il nous fait un super plaisir, parce que Philippe, tu viens nous rejoindre, mais tu es au Québec, c'est ça? Ah ben, je suis au Québec, oui. Voilà, ouais, ouais. Il est quelle heure au Québec? Ben, il est 8h23. Voilà, sachant que nous, on enregistre aux alentours de 14h23, donc on te réveille, voilà. tu prends le petit café, là. Eh ben, vous m'avez oublié, il y a fait de bonne heure ce matin. Enfin, et nous, pour la petite histoire, ça fait 2 jours que ça dure, l'histoire, hein, parce que là, il a fallu préparer, faire des répétitions. Ah ben oui, oui, oui. Ah ben, c'est comme ça. Depuis hier. Voilà. Bon, avant de continuer à parler, on va passer un peu d'accordéon de M. Tony Di Vincenzo. Eh bien, on va quand même pas passer l'extrait au petit Robinson, quand même, franchement, non? Bah, allons-y. Ah, bah, oui, quand même, allons-y. Le petit Robinson. Allons-y. En face de nos gens, de l'autre côté de la Marne, c'est à le flambant neuf, le petit Robinson. Viendrait, j'en suis sûr, tout seul ou bien en bande, passer une soirée à Joinville-le-Pont. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, on danse, on chante, on rit au milieu des flonflons. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Au petit Robinson, entraînez vos amis dans ce détourbillon. Au petit Robinson, l'on vous servira crustacés et grillades. Au printemps, à l'été, jusqu'au grand frimat, vous pourrez profiter des charmes de la Marne. Le petit Robinson vous ouvre grand les bras. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, on danse, on chante, on rit au milieu des flonflons. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Au petit Robinson, entraînez vos amis dans ces détourbillons. Au petit Robinson, en pédale ou en train, en moto, en voiture, allez tous, allez donc à Joinville-le-Pont. Vous pourrez gambiller au son de l'accordéon. Allez-vous esbaudir au petit Robinson. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, en dansant, chantant, rit au milieu des flonflons. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Au petit Robinson, entraînez vos amis dans ce détourbillon. Au petit
Robinson. Près des fresques en fleurs, le cœur en cavalcade, vous pourrez déguster un bon petit vin blanc. Et puis sous ses tonnelles, sur le bord de la Marne, vous verrez défiler vos rêves et les saisons. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, on danse, on chante, on rit au milieu des flanflons. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Au petit Robinson, entraînez vos amis dans ce tourbillon. Au petit Robinson. Au petit Robinson. Samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, on danse, on chante, on rit au milieu des flanflans. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Au petit Robinson, entraînez vos amis dans ce gai tourbillon. Au petit Robinson. Voilà, ah, que, bien, de souvenirs, que de souvenirs. En quelle année, Philippe, tu as ouvert le petit Rob? En 95. Et Tony est apparu pratiquement tout de suite avec son orchestre. Hein. Pas tout à fait, un an et demi après. Oui, tout à fait. Un an et demi après, en fait, il est passé me voir un jour avec Pascal. Ouais. Moi, je ne l'avais pas encore vu, je ne l'avais pas entendu. Et puis... En fait, on avait décidé de faire une fin de semaine, quelques semaines plus tard, dans la suite de mes programmations. Et puis voilà, c'est comme ça. Alors en fait, c'est là que j'ai eu. C'est là que je me suis aperçu que l'accordéon, j'en entendais, j'en avais entendu, mais j'en avais jamais écouté. Alors en me mettant. Merci, ça c'est beau. Ça c'est très joli. Bon, ben moi je vais vous quitter. Hein? Enfin voilà. Et donc on a décidé de changer la couleur du petit Robinson. C'était un établissement extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de temps en temps d'aller remplacer quand monsieur avait un bobo au doigt ou une petite absence passagère. Ouais. Et toi, Loulou, t'as des souvenirs au petit Rob, toi, non? Aucun, il n'a jamais voulu m'accueillir. On prend que les musiciens. Oui, moi je l'ai fait avec Aimable, je l'ai fait avec Cortès, je l'ai fait avec Tony, bien sûr. Moi j'étais au sax avec Tony, j'étais pas au clavier à l'époque puisqu'il y avait Pascal au clavier, belle équipe. Et puis alors l'accueil de monsieur Philippe Blanchet, alors là, 20 sur 20, quoi. Moi, je donne un 20. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le genre de 100 mètres de brosse. Moi, alors, moi, mon rôle au petit Robinson, c'était le service et l'accueil. Je déconne. Donc, c'est faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les dancings, enfin, ce qu'on appelle les dancings aujourd'hui, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on... Marc, nous, on n'a peut-être pas eu le bon exemple, Loulou. On a été chez Philippe. Donc, c'était quand même un endroit où il y en avait quelques-uns quand même. Le salon aussi, c'était bien. Oui, il y avait Patrice aussi au Moulin. Avant, c'était géré par des vrais professionnels. Aujourd'hui, c'est des mecs qui ont le tiroir-caisse qui essayent de se remplir. Donc, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait ça. Je voudrais qu'on écoute de l'accordéon, s'il vous plaît, monsieur Gidé. Eh bien, on va faire d'abord un premier hommage avec Tony Di Vicenzo, avec Armand Lassagne, bien sûr. Oui. Et Fox Trotter. Ça te va, Tony? Tout à fait, tout à fait. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Yes. Mmh.
extraordinaire. Petite Anne, alors mon petit Tony, dis-moi, tu as toujours eu les mêmes. Combien de musiciens vous étiez? Je ne dis pas quand est-ce que vous avez fini, mais quand vous départ, au départ. Au petit Rob. Ouais. On était 6, je crois, 6. Ouais, le 5. Souvent 5. Ouais. Et le samedi, des fois, on prenait un 6e. Ouais. Dont Serge Roux. C'était... D'ailleurs. Serge Roux. Ah oui, ouais, Serge Roux. Pour ceux qui connaissent. C'est un monstre. Hein. Loulou, il y avait aussi. Loulou, bien sûr. Je vais chercher son nom, l'autre saxophoniste. Ben, Dominique Verne. Dominique Verne. Aussi, ouais, ouais. Et puis, il y a un nom polonais, là, je ne me rappelle plus. Je vais chercher son nom. Ouais, ah, c'est drôle. C'est Dronski. Georges Dronski. Georges, voilà. Georges, voilà. Ouais. Ah, c'était. Ouais. Alors, nous, pour la petite histoire, quand même, parce que c'est, ça prouve un peu, quand même, l'état d'esprit. La solidarité aussi et la fidélité des patrons. Et moi, j'ai une petite anecdote parce qu'une année, on a amené par mes connaissances une ville que je ne citerai pas. Il y avait à peu près en une semaine, on a amené 2000 personnes. C'était le banquet des anciens d'une ville du 93. Et on a eu de bons souvenirs. Et Philippe me dit, quand on a signé le contrat, il me dit « Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'ai des musiciens déjà sur place. On ne peut pas non plus, je ne peux pas les foutre dehors pendant 8 jours parce que toi, tu arrives avec ton talent. » Enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais enfin, il m'a dit ça comme ça. Et donc, on était convenus pendant 5 jours. Tu te rappelles, Tony, on ouais. a été 9 musiciens sur scène. Ouais. C'était un truc fabuleux. On a passé une semaine extraordinaire. Tout le monde était content. Et pour moi, c'est un souvenir. Je ne sais pas, tu n'étais pas là, Loulou, encore. Tu n'avais pas passé ton diplôme encore. Non. Tu n'avais pas voulu payer ta cotisation. Donc, voilà. Ils ont voilà, petite anecdote. Après, on parlera de Tony, de sa carrière, si vous le voulez bien. Et en attendant, qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, on va faire un hommage à Louis Corchia avec Tony, avec deux morceaux. Avec deux morceaux. Et d'abord, avec Quartier Manouche, une valse swing. Et puis derrière, on aura Tony au bandoneon avec Loulou Tango. Thank you.
très beau morceau. Très beau morceau. J'espère que vous avez pu en profiter pour danser un peu. Tu danses encore, Philippe? Non? Tu danses plus? Ah bah, on fait que ça, nous. Ah oui. Tu connais mes talents de danseur. Mais... Ah bah oui, si. J'étais en cours avec toi. Quelque chose, hein. Bah, C'est ce que je veux dire, mon petit Tony. Donc, tu as commencé l'accordéon très jeune. Pourquoi tu as pris l'accordéon, toi? Parce que mon père joue l'accordéon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. En Sicile, il était maçon de métier dans le bâtiment. Hein. Et un jour, il passe dans une petite rue comme ça, en rentrant chez lui. Et il a vu un gars qui jouait l'accordéon dehors. Et c'était un accordéoniste. Mais le gars était aveugle. Et donc, pour donner des cours, il donnait des cours quand même. Mon frère, il a appris comme ça. Et donc, moi j'étais toujours à l'écoute. Et t'avais quel âge? Et t'avais quel âge? Bon, en Italie, j'avais 4 ans. Ah oui, t'étais en Italie encore? Oui, mon père. Ah ouais, d'accord. Dans les galas. Et c'est là que je me suis imprégné, je suis tombé amoureux de cet instrument. Voilà. Et quand t'es arrivé en France, t'étais au conservatoire? En France, après. Oui, quand on est arrivé en France, après, dans les années 63, il m'a mis à Vincennes avec Luc Orchard, école supérieure d'accordéon à Vincennes, et j'ai dû prendre 2-3 cours avec Orchard, puisqu'après Orchard, lui, son père, quand il a commencé à le lancer un petit peu, hein, et c'est Albert Aubillard qui a repris les cours, la classe. Et donc, tu as une formation classique aussi un peu? Classique aussi, oui. Ben, j'ai commencé par classique, hein. Moi, je me rappelle, mon prof, il me disait, tiens, il faut que tu dises à tes parents qu'ils t'achètent le recueil numéro 1 de Paul Boucher. Alors, je dis, bah, pourquoi faire? Il me dit, bah, pour que tu apprennes à jouer, des balles, c'est le pinceau, pour faire des balles plus tard. Alors, je dis, mais moi, je ne veux pas faire de balles, moi. Ah bon? Je dis, non, mais tu veux faire quoi? Je dis, moi, je vais être concertiste. Ouais, mais d'ailleurs, tu aurais mieux fait le respect aux concertistes et pas venir nous embêter. Hein, oui. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré le classique, hein. Ouais. Ah bah justement, on va t'écouter dans la valse numéro 7 de Chopin, c'est ça mon petit JD? Oui, en solo, hein. Donc là, sans accompagnement, en solo avec son accordéon tout seul, comme un grand. Allons-y, c'est parti. Écoutez, réécoutez, faites ce que vous pouvez. Donc après, tu es venu au musée, tu es venu au Baloche, et là, franchement,
Bon, je te dis. Alors, pour la petite histoire aussi, après, moi, tous ces gens-là, si vous voulez, pour parler un peu, Philippe Blanchy qui a eu la gentillesse de m'accueillir alors qu'il pouvait faire autre chose, mais je pense qu'on avait bien sympathisé tous les deux. J'allais souvent manger là-bas parce que mon plat préféré au Petit Rob, c'était... Tu t'en rappelles, Philippe ? Oui, je t'en rappelle. Le jarret. C'était... Le jarret. Ah, le jarret. C'était quelque chose. J'allais bouffer. Je quittais le bureau, j'allais le midi, je disais, ah, copain, venez, on va aller manger un jarret. Mais c'est lui, il me donnait les plus gros, enfin, un truc extraordinaire. Et moi, j'ai connu beaucoup de musiciens. J'en ai connu des gentils, j'en ai connu des qui font semblant d'être gentils. Il y en a des pas gentils non plus. Hugo Torres, il fait partie des gentils. Et par contre, quelque chose qui me touchait toujours, c'est que même quand j'allais au Petit Robinson pour une soirée, parce qu'on sortait beaucoup, on était beaucoup de potes, et quand on ne savait pas quoi faire avec les familles, on se retrouvait souvent le samedi soir au Petit Rob. Mon ami Tony venait toujours m'inviter à jouer un morceau avec lui. Tu te rappelles, mon Tony ? C'est vrai. Alors, j'ai soupçonné longtemps que ça te permettait d'aller boire un coup au bar. Bon, d'ailleurs, Philippe m'avait dit à un moment, arrête, parce que ça commence à me coûter cher. Donc, j'ai arrêté. Donc, on continue avec un autre morceau. Petit loup, c'est quoi ? Alors là, c'est tout à fait spécial. On appelle ça musique de genre, un peu, Tony. Oui. Explique-nous un petit peu ce morceau qui est magnifique, hein, entre parenthèses. Bah, j'ai voulu faire un mélange. Des deux. Qu'est-ce qu'il dit ? Pardon ? J'ai écouté hier. Ah, tu vois, il a écouté hier, Philippe. Voilà. Et Petit Loup, alors c'est quoi l'histoire ? C'est quoi ? Parce que moi, j'avoue que je n'ai même pas eu le temps d'écouter, vu mon emploi du temps assez chargé. Je me souviens, Petit Loup, avant de partir au Canada, la première année qu'on est parti au Canada, j'ai opéré mon oreille. Hein, j'ai eu une opération de l'oreille, quoi. Et quand je suis sorti, tout ça, bon. Et Philippe m'a demandé d'écrire quelque chose qui soit un peu l'ordinaire. Et donc, j'ai écrit ce morceau-là, Petit Loup, au départ classique, et après, ça part en rock avec notre ami Alain Cadieux à la guitare. Absolument, ouais. C'est au début, c'est très, très calme. Et puis après, derrière, tu as l'instrumentation qui arrive derrière, quoi, l'accompagnement qui arrive derrière. Après, un mélange des deux, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, on écoute Petit Loup. Tout de suite. Super morceau, ça. Thank you.
Petit loup, magnifique. Ça sonne. Tony, tu es toujours en relation, parce que si on dit un peu les gens qui jouaient dans l'orchestre, qui ont été fidèles un peu à cet orchestre, il y avait Alain Cadou, super oui. guitariste. Oui. Il y avait, comment Silvio. Silvio. Ah oui, Silvio, Silvio, quelle belle voix aussi. Il y avait, au clavier Pascal Besson. Pascal Besson, m'arrivait de l'inviter, j'ai pas eu le temps de le contacter. On va faire une émission sur lui parce que c'est un truc comique aussi, ça. On rigolait quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait à la guitare basse, Christophe Hubert. Christophe Hubert. Et puis c'était les principaux, quoi. Ouais. Ouais. Quelle ambiance. Alors, je sais que vous aviez tous une tenue. La direction, vous avez imposé une super tenue. Oui, on était. Bon. Donc vous occupiez pas du tout d'ailleurs sous. Quelle ambiance. Bah ouais. Hein. Ouais. Combien de clients par week-end à peu près que vous faisiez danser Par week-end, bon, je sais pas, c'était si on part du vendredi, samedi, dimanche, ouais, à plus de 1000 et quelque chose, 1000 dancing, c'était 200. Ouais, c'est énorme le petit Robin. Énorme. Oui, on a eu des journées phénoménales avec 600 personnes dans la salle. C'est arrivé.
Puis sans compter les enregistrements des émissions de télé, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel Prévost y est passé, Pascal Sevran également aussi. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal, quand même, bonne référence. Pascal Sevran, on a 54 émissions avec Pascal Sevran. Non, mais t'imagines le truc. Ah ouais, ouais. Et même des galas organisés par Philippe, une petite anecdote encore, comme quoi il était vraiment gentil avec moi. Un jour, il m'appelle, je me rappelle, j'étais dans mon jardin, il dit « Jaco, on va organiser un gala d'accordéon dans lequel tu n'étais pas prévu. Mais le problème, c'est que Verschuren n'y veut pas venir. Alors, je pense que si tu pouvais venir, c'est pas des conneries. Je t'assure que c'est vrai, je me rappelle comme si j'y étais encore. Je me rappelle, il y avait beaucoup d'accordéonistes qui sont venus, dont Jean-Marc Torchy, d'ailleurs. Il y en avait d'autres. Il y avait un monsieur qui jouait merveilleusement bien. Vous vous rappelez pas ? Voilà. Dans tout ça, c'était des moments extraordinaires, extraordinaires. Loulou, c'est dommage qu'on n'a pas pu participer beaucoup de choses avec toi là-bas, parce que je pense qu'on aura encore rigolé encore un peu plus. Parce qu'on je suis jamais allé avec toi, bon, au petit robe ? Oh, peut-être, mais bon, ils nous ont pas repris. Ouais, c'est ça. C'est à cause du budget bière au bar. Ah non, mais attendez. Avec modération, s'il vous plaît. On a encore une idée de Tony, que j'ai un peu copié d'ailleurs dans le morceau qui va suivre. Et il va nous interpréter un morceau qui s'appelle Oblivion. Alors attendez, toi qui adore la rumba, Jacques, je te conseille de la faire cette rumba. Oblivion, c'est Astor Piazzolla. Excusez-moi, mes partenaires, je vais répondre à Monsieur JD. Ah. S'il écoutait mes enregistrements régulièrement, il saurait que j'ai enregistré sur le dernier CD Oblivion. Ah, exact. C'est vrai. Alors ça, c'est fait, c'est envoyé. Peux le couper si tu veux au passage. Non. Il y a Julien Clerc qui a fait cette version chantée de Oblivion, qui s'appelle J'oublie. Donc mélangez les deux versions, c'est magnifique. Une fois l'accordéon, une fois avec Julien Clerc, c'est magnifique. Voilà. Et moi, la première fois que j'avais entendu ça, c'était en Italie. On avait fait un petit voyage tous les deux en Sicile avec Tony. Oui. Et ce soir-là, il nous avait interprété Oblivion et j'avais dit, c'est une bonne idée, je vais lui piquer. Ce que j'ai fait, voilà. Donc maintenant, on écoute Oblivion joué par Monsieur Tony Divisions. Thank you.
Tony, tu joues aussi merveilleusement bien du bandoneon. Ah oui. On n'en parle pas souvent assez. Moi, je t'ai vu faire des galas d'ango au bandoneon. Est-ce que tu as fait quelques enregistrements? Je sais que tu as dû en faire avec Loulou, non? Des enregistrements. Des vidéos, je possède des vidéos de tango. On doit en avoir une. Je pense qu'on en a une vidéo là, où on va entendre monsieur Loulou Torres chanter en plus. Oui, il joue, mais il chante merveilleusement bien aussi. Ouais. Et ce morceau, c'est un tango, c'est, je ne me trompe pas, Gilet. Parce que des fois, je me trompe dans le. Alors, dans je ne sais pas si Loulou chante, je ne pense pas à Loulou. Là, il joue de la cuisine. Il joue au piano avec Abel, là. C'est Camille. Oui, mais. Non, Abel joue au piano et c'est Loulou qui le chante. Caminito, vous verrez, il ne dit pas de bêtises. Ah oui. Caminito, que el tiempo ha pasado, que juntos un día no viste pasar. He venido como última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces en que estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, ay caminito amor. Se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy, desde que
se fue. Nunca más volvió, seguiré sus pasos. Ay, caminito amor. Alors, maintenant, mon petit Tony, tu aussi, tu avais des relations peut-être particulières avec Bruno Lorenzoni, non, pas spécialement? Non, 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 on a travaillé ensemble à l'Écluse, puis maintenant, bah, lui, il est de son côté, on a un peu parpillé, quoi, hein, tu vois. Ouais. Ah, tu parles de Bruno ou de, d'Abel? Non, de Bruno Lorenzoni, parce que le morceau qu'on va écouter après, ah oui, c'est un morceau, dont, c'est un morceau qui, dès qu'on l'entend, on pense à lui. Je veux parler de monsieur Bruno Lorenzoni, je pensais La Parisienne à Séville, voilà, qui est merveilleusement interprété, que je tourne en boucle dans ma bagnole depuis ce matin. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, excusez-moi. On va écouter M. Tony Di Vincenzo dans un morceau qui s'appelle « La Parisienne à Séville ». Quelles sont vos anecdotes avec M. Tony Di Vincenzo? Je veux bien avoir deux, trois frais marquants quand même. Écoute, anecdote musicale et puis amicale aussi. Tony, c'est un peu, c'est mon frangin, quoi. J'ai tout de suite accroché parce que c'est quelqu'un qui joue, enfin tu le reconnais quand il joue, il s'investit, il y a de la tendresse, il y a de la précision. Et puis, comme je te disais l'autre fois, il écoute les gens qui l'accompagnent, tu vois, il n'est pas là tout seul comme un bourrin. Et puis il faut le suivre. C'est un peu comme je faisais avec Emma, tu sais, t'es obligé de lâcher la pédale des fois parce qu'il te fait un double piano. Il faut s'accrocher, quoi. Il ne faut pas être la tête en l'air en disant qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure à faire, tu vois. Et donc, ouais, ça, c'est un vrai artiste, un vrai
musicien à fleur de peau comme ça, et un garçon adorable et attachant, et puis bon, ça tu le sais, je t'en prends rien. Alors des anecdotes, te dire quoi, ben, les plus belles, ben, c'est celles qui restent à venir. Alors donc maintenant, on va écouter quoi mon petit, qu'est-ce que tu nous as programmé? Eh bien là, on va terminer avec deux pépites, hein, deux pépites, bon, c'est pas des surprises, je voulais essayer de trouver des surprises pour Tony, mais ça c'est des pépites qu'il avait déjà dans sa chaîne YouTube, donc du coup, ça va être peut-être des souvenirs pour le public qui va découvrir Tony. Tony, dans l'émission La Chance aux chansons de Monsieur Pascal Sevran. C'est juste après. Tout d'abord, on va écouter d'abord du jazz, parce que Tony aussi fait du jazz. Il a fait du jazz, hein ? T'as pas fait que du classique, ni de la. T'as fait du jazz, ça s'appelle Jazz Back. Jazz Back, une compo. Se quitter, Philippe, je te remercie de ta présence pour Tony d'abord, puis pour le plaisir de nos yeux à nous, parce que je dois t'avouer que tu nous manques beaucoup dans ce pays, au niveau de ton activité, tout ce que tu as fait pour l'accordéon, malheureusement, on l'oublie, mais nous, on ne l'oublie pas, et on espère te revoir bientôt, ou nous, peut-être aller te voir, ce serait bien ce qu'on s'organise un jour entre potes, un petit voyage au Canada, et ça serait sympa de le faire. Ah ben bah là, ça serait quelque chose, oui. Ben voilà. Donc, Loulou, toi, tu es fidèle à notre émission, je te fais une grosse bise. Je vous embrasse tous et puis je vous aime fort. Voilà. Et moi, mon petit Tony, je te remercie pour les petits morceaux que tu m'as envoyés ce mois-ci pendant le confinement. J'espère que j'en ferai bon usage. Merci à vous tous. Je t'embrasse beaucoup. Et je te souhaite encore beaucoup de succès que tu n'as pas encore eu et que tu as déjà eu, mais qui devrait exploser malheureusement dans ce pays de sauvage. Fais en sorte que des choses ne se passent pas. JD, merci pour ta collaboration, comme d'habitude. Alors, oui, merci Jacques. On va retrouver donc d'abord une petite nouveauté pour la chaîne YouTube. Vous allez retrouver Jacques dans les enregistrements qu'on a fait cet été au Vieux Berquin avec Michel Pruvot, voilà, sur un air d'accordéon. Vous allez retrouver Jacques sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà. Et, et vous pouvez y aller, c'est gratuit. Absolument. Et pour terminer, donc, on va écouter Tony Murena. Tony DiVincenzo, avec deux titres, Colinette et Valse Canine, qui sont deux titres qu'il a fait à l'occasion de l'émission de Pascal Sevran, La chance aux chansons. Voilà. Bon, ben voilà, pour terminer, on va réécouter mon nouveau générique pour les 30 prochaines années. La Gadji. Il s'appelle La Gadji, composition de Monsieur Loulou Torres et Monsieur Tony DiVincenzo, interprété par Monsieur Tony DiVincenzo, qui a eu gentillesse de me faire comme cadeau. Philippe,
merci à toi. Profite bien encore. J'espère te revoir bientôt après cette mauvaise période. Mes amis, je vous embrasse tous. Et puis, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut. Prenez soin de vous. Et bonjour à tout le monde. Salut. Salut. Salut.